tout le monde, ben aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur les vernis que j'ai reçus de Bayerwen. Il y a un moment que je voulais faire cette vidéo, mais j'attendais le soleil. Bon, là, il sort, donc je vais en profiter pour essayer de faire vite fait ma vidéo, parce que sinon je ne vais jamais la faire. J'ai reçu un petit cadeau dans un petit sac. C'est dans une petite boîte en carton, je vous dis là-bas, mais ça on s'en fout. J'ai reçu en cadeau un petit pochon. Deux bagues, une bague avec des papillons et une tête de mort. Je pense que c'est un petit clin d'œil parce qu'ils savent que j'aime les petites têtes de mort. Voilà. Je vous montre rapidement. Un petit sachet avec des cœurs. Un petit papillon. Voilà. Hop là. Et il commence à en mettre de partout. Et une petite lime incurvée. Que je le remercie, ça va me servir. Voilà, bon, ce coup-ci, j'ai testé sur moi, bien sûr. Je n'ai pas d'onglier. J'ai voulu prendre toutes les couleurs. Donc j'ai pris toute la catégorie des pastels. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est le ciel. Voilà, bon, pour ceux qui avaient déjà lu les vidéos, hein, c'est Arven qui les fait, les vernis. Ils sont biphasés, il faut les secouer. Bon, ceux-là, il n'y a pas trop de problème parce qu'il n'y a pas de paillettes. Hein, donc, et ils sont frits, je ne sais plus quoi. Elle ne met pas de produits, elle met moins de produits toxiques que dans les vernis de commerce que vous trouvez en grande surface. Et elle a une gamme particulièrement jolie et diverse. Moi, j'ai pris cela parce que c'est des couleurs qui donnent bien le moral quand il fait gris, quoi. Voilà, j'en ai mis un sur chacun de mes ongles. Le pouce, il est bleu. Pistache. Lilas, on va dire. Orange. Abricot et jaune. Bon, j'ai fait un peu près pareil de côté de mes mains. Ça, c'est pour montrer à fur et à mesure. Voilà, ça fait joli. Alors, le premier, je reprends. Il s'appelle Ciel, comme on dit. Il porte bien son nom. Ciel, là. Et c'est amusant parce que je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait comme des petits nuages. C'est pas bleu homogène, c'est un bleu avec. Vous voyez ? On voit un peu de blanc et un peu de bleu foncé, ça fait comme un ciel nuageux par beau temps. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Toujours dans 15 ml. Voilà. Vous voyez bien le ciel. Ah, celui-là, je l'ai mis sur le pouce en deux couches. Excusez-moi, c'est peut-être pas forcément bien mis, mais je l'ai refait plusieurs fois. Oh. Voilà, c'est un bleu ciel. Hop là. Avec ça, j'ai le premier que j'ai mis, le pistache. Le petit vert, hop là. Avec bien sûr une pistache en dessin. Pistache ou une boule de glace. On dirait une glace pistache. Une boule de glace. Voilà, pistache, c'est un vert clair aussi. Ben aussi. Excusez-moi, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je couperai pas, ça fera vidéo au gag. Voilà. Je l'ai mis sur ici, la pistache. Ça fait aussi une très jolie couleur. Hop. Oui, je regarde en même temps ce que j'ai mis. Après, j'ai mis Bohème avec une gitane ou Esmeralda en dessin. Comme vous voyez. C'est une gitane et il est lila. Enfin, lila clair. J'espère que vous voyez la couleur parce que j'ai pas tellement de soleil. Et celui-là, je l'ai mis là. Quand ils sèchent, ils sont un peu plus foncés sur les ongles, ceux-là.
ça sera le Nida. Bohème. Après, j'ai mis abricot, je crois. Oui. Celui-là. Voilà. Abricot avec, bien sûr, le fruit. Un abricot. Aussi abricot, très jolie couleur aussi, très chaude pour l'été. Après, j'ai mis poussin. Il est un peu débordé, le poussin. Pas grave. Poussin, c'est un jaune clair avec un petit poussin en dessin. Voilà. Sur l'ongle, ça fait ça. Vous voyez, ça fait toujours, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça fait toujours un poil plus foncé. Je l'ai mis en deux couches. Regardez pas trop la pose, hein, je l'ai fait ça à l'arrache. J'ai profité du soleil. Voilà. Après, j'ai mis sur le pouce pêche, sur l'autre doigt. Ça fait comme une French manucure. Hein. C'est un peu plus opaque et plus naturel comme effet. C'est le pêché de Bayarvin avec deux cœurs. Voilà, c'est comme la French manucure. Hein. C'est une couleur beige, ouais. Beige rosé. Voilà. Il est assez translucide. Il fait un effet plus translucide que les autres sur l'ongle. Voilà. Pour un effet naturel sur les deux petits cœurs. Après, j'ai remis pistache. Qu'est-ce que j'ai pas présenté? Le dernier que j'ai pas présenté, c'est le bébé. Le bébé que j'ai mis là. Si on voit bien la couleur, parce que moi je vois plus clair en caméra, je sais pas. Et des fois elle me fout en l'air les couleurs, on verra bien. Alors, le bébé, c'est celui-là, c'est un petit rose rose clair, oui, peut-être un petit bébé qui a des ailes, je crois. Moi je le vois comme ça, comme du lait avec du sirop de fraise. Ouais, c'est un petit rose tendre, voilà. Je le vois, je sais pas, il y a certaines couleurs que je vois plus claires. Voilà. Yippee. Et voilà, là, j'ai fait rapidement parce que la caméra qui va être bientôt à sec. Et là, j'avais un petit mot d'arbène. Avec les vernis qui me manquaient, bohème, body, ciel, pistache, abricot, pêcher et poussin. Bon, désolé pour les délais. Voilà, c'est pas grave. J'en attends d'autres. Hein. Mon père était fou quand il a vu tout ce que j'avais. C'est pas grave, on assume. Et je vais en faire une autre parce que j'avais pris du retard dans mes vidéos avec le temps qui n'était pas terrible. Ciao, ciao!